What's up dudes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo des 29 vidéos avant mes 29 ans. Je passe ma vie sur Facebook Marketplace. Ceci n'est pas une pub pour Mark Zuckerberg, je pense qu'il n'en a pas besoin. However, je passe un temps fou sur Facebook Marketplace parce que, encore une fois, j'adore acheter des choses de seconde main. Et donc aujourd'hui, j'ai traversé tout Londres. J'ai aussi fait des étapes dans les charity shops. Pour acheter une bouilloire électrique. Je l'ai acheté 5 pounds sur Facebook Marketplace. Facebook Marketplace, ça te permet, un peu comme Le Bon Coin, de te mettre directement en relation avec des particuliers qui ont posté des annonces sur Facebook pour vendre les objets dont ils veulent se débarrasser. Et donc sur Facebook Marketplace, j'ai acheté aujourd'hui cette bouilloire électrique. J'ai acheté il y a quelques années ce batteur fouetteur. L'été dernier à Anthony, j'ai acheté cette balance à un restaurant sur Anthony Beach. Et mon achat préféré, c'est ce mixeur que j'ai aussi trouvé sur Facebook Marketplace. Le problème avec la bouilloire que j'ai achetée aujourd'hui, c'est qu'elle est pleine de calcaire. Je vais pas vous montrer parce que c'est franchement dégueulasse. Et comment je vais faire pour me débarrasser de ce calcaire? J'ai demandé à Google et Google m'a dit mettre du citron, le faire bouillir. C'est exactement ce qu'on va faire tout de suite pour voir si ça marche ou pas. J'ai coupé du coup des quartiers de citron que je vais ensuite presser dans ma bouilloire que j'ai remplie aux trois quarts. Ensuite, y mettre quelques quartiers de citron. Qu'on va ensuite mettre dans la bouilloire et la lancer. Bon. Ensuite, il faut la vider. Coucou. Bon bah du coup, vous pouvez voir que bon, tout n'est pas parti, mais c'est déjà beaucoup mieux que tout à l'heure quand je l'ai acheté. Je suis assez contente de moi, je pense que je vais pouvoir commencer à l'utiliser et puis de temps en temps, je ferai une piqûre de rappel. Donc voilà les trouvailles qu'on peut faire sur Facebook Marketplace, comment on peut faire de la récup et récupérer cette récup, la rattraper du moins. J'utilise aussi beaucoup en France le site Le Bon Coin. Je sais qu'aux États-Unis, ici au Royaume-Uni, il y a des sites comme Gumtree aussi, où il y a des gens, des particuliers qui postent des annonces sur lesquelles on peut leur acheter des choses, des objets de seconde main. Encore une fois, je suis à fond dans la récup, je suis persuadée que c'est un des moyens les plus simples de faire un geste pour la planète. Donc pensez-y, quand vous voulez acheter quelque chose, sachez qu'il y a forcément quelqu'un sur Terre qui l'a déjà acheté et qui essaye de s'en débarrasser. Donc c'est des réflexes qu'il faut avoir. Abonnez-vous, laissez un commentaire, mettez un j'aime et moi je vous dis Armelle out.